Et salut à tous, et bienvenue chez 790, là où tu peux gagner des saucisses. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le jour de la Claudio Tombola. Le gagnant sera désigné à la fin de cette vidéo. Pour la Claudio Tombola, embarquement immédiat. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, ça y est, on y est, c'est le grand jour. C'est encore pas Noël, mais on n'en est pas loin. Et en tout cas, pour un des participants, ça va être Noël aujourd'hui. Donc je dis un des participants, vous êtes à peu près, je dis à peu près parce que j'ai arrêté de compter à un moment donné. Ou en tout cas, vous êtes plus de 120 à avoir participé à la tombola. Plus de 120 à avoir donné des bonnes réponses dans vos mails. Alors, il y a un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous l'avez forcément remarqué, j'ai mis une petite vidéo intermédiaire que j'ai rendu éphémère. Donc c'est dans cette petite vidéo intermédiaire, je trouvais qu'il y avait trop de réponses incorrectes et puis surtout ça me faisait trop de mails à renvoyer parce que j'ai pris la peine de faire des mails à tout le monde, de répondre à tout le monde, que les réponses soient bonnes ou mauvaises. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, pour aider un peu ceux qui avaient du mal. Mais du coup j'ai trop aidé ceux qui avaient du mal. Et j'ai trouvé ça un peu injuste pour ceux qui avaient déjà cherché les 4 premiers jours. Donc en fait je l'ai rendu éphémère. Évidemment, ceux qui ont participé pendant cette vidéo, à savoir à peu près 40 personnes quand même, en tout cas 40 mails. Je ne dirais pas 40 personnes parce que j'ai bien repéré que vous étiez quelques-uns à avoir envoyé plusieurs fois la même réponse, en tout cas avec des mails différents. Donc quand vous faites des copier-coller, essayez de modifier un petit peu, un minimum quand même. Mais voilà, le truc c'est que j'ai trouvé ça un peu injuste pour ceux qui avaient cherché bien avant. Mais bon, je vous rassure, hein, dans les 40 mails que j'ai reçus, avec la vidéo, donc des indices, il y en a quand même qui se sont trompés. Bon, là j'ai été moins cool avec eux, je leur ai répondu que c'était pas bon, et je le disais, je ne disais plus rien en fait, je ne les aidais pas dans le mail. Ah ouais, normal, tout était dit dans la vidéo. Après, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'enjeu, et puis au moins que ceux qui ont pris la peine de chercher, et pris la peine de répondre correctement, aient aussi plus de chances que ceux qui n'ont pas pris de peine. C'est normal. Voilà, donc j'ai 120 réponses. Enfin là, je ne vais pas les compter, mais j'ai plus de 120 mails de bonnes réponses. Donc plus de 120 pseudos à découper. Je vais tous les découper. Et puis on va faire un tirage au sort à l'ancienne. On verra comment ça se passe. On va faire ça cet après-midi. Et normalement, dans la foulée, vous allez avoir la vidéo avec le gagnant. Donc évidemment, bonne chance à tous. Que le meilleur gagne, enfin en même temps là vous êtes tous les meilleurs parce que vous avez tous les bonnes réponses. Et jusque là, ça sera que le plus chanceux gagne. Et voilà, c'est un beau cadeau, mais il n'y aura qu'un vainqueur, donc il y aura forcément plus de 120 déçus. Mais voilà, j'espère que quand même que vous avez pris du plaisir tout au long de cette tombola. Vous avez remarqué que j'ai quand même pris mon temps pour la mettre en ligne. On a un petit peu détaillé la machine, enfin voilà, on a pris notre temps. Mais en même temps, c'est pas un petit cadeau non plus, c'est un beau cadeau que Claude nous fait, que Mani nous fait, et du coup que Jam Jam nous fait aussi, puisqu'il s'est joint à la tombola pour nous fournir les lipos. Donc là, vous allez avoir un véhicule complètement RTR. Et en plus, je crois que Claude va nous rajouter encore un truc. Claude, il s'arrête plus. Mais j'en dis pas plus, je le laisserai annoncer lui-même. Voilà, que dire de plus? Bah rien, je vais pas vous embêter plus. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout. Et ben, je vous dis à tout de suite. Et ben, ça y est, on y est. Bon, alors, comme vous le voyez derrière moi, il y a un peu de neige aujourd'hui. Donc, premier jour de neige en Alsace, en tout cas à ma connaissance, à notre niveau. Donc, il y a un peu de neige sur le SAM 68. Je tenais à faire le tirage depuis ici, mais au final, ben, j'aurais pu le faire depuis chez moi parce que malheureusement, je vais être tout seul aujourd'hui. Claude et Mani n'ont pas pu se libérer du temps et surtout avec la météo, ils habitent pas à côté que moi, avec la météo un peu pas capricieuse, on est en hiver quand même, c'est normal qu'on ait de la neige. Mais voilà, ils pourront pas être présents pour le tirage au sort. Alors je sais, c'est dommage, on avait un petit peu prévu de faire les foufous pour ça. Mais voilà, je vais pas faire le foufou tout seul, ça sert à rien. Par contre, je vais faire le tirage tout seul et puis on les remercie beaucoup, on remercie énormément Claude pour son cadeau, hein. Il nous a quand même donné un beau cadeau, Claude.
Donc on te remerciera jamais assez pour ton investissement aussi et tes connaissances et évidemment tes retours d'expérience sur le thermique, sur l'électrique. Enfin bref, ton expérience est très importante pour nous. Mani, bon bah Mani, ça sert plus à rien d'en parler, hein, tout le monde le connaît évidemment. Sans lui, on ne serait pas là. Donc merci Mani, merci Claude et merci Jam Jam qui s'est rajouté à la tombola, comme je le disais tout à l'heure, pour les lipos. Merci, merci à vous trois. Et pour le coup, on va pas épiloguer pendant des heures. Hein. Vous voyez, là derrière, il y a de la neige. Bon, je pensais qu'il y aurait un petit peu de neige aussi sur la piste. J'ai pris le slash, je vous l'avoue. Mais voilà, là, on n'est pas là pour ça. On va faire le tirage au sort. Donc, le tirage au sort, je vous disais ce matin qu'on était à peu près 120, un peu plus de 120. Bon, j'ai regardé parce que je ne peux pas être approximatif, hein, j'ai pas le droit. Donc, on est 126. Enfin, vous êtes 126 à avoir participé. Les 126 noms sont dans cette enveloppe. Donc j'ai pris la peine de tous les découper, les noter, tous les découper, ils sont là-dedans. Vous voyez, c'est la belle carrosserie Claude. On va les mettre là-dedans. Donc voilà, 126 participants aux bonnes réponses. Il n'en reste pas dans l'enveloppe. Vous voyez, il n'en reste pas dans l'enveloppe, ils sont tous ici. Je vous les montre en essayant de ne pas en faire tomber. Alors... Ouais, pour vous montrer que j'ai bien tout le monde, je vous en sors 2-3. Alors, pas de panique, hein. Désolé pour ceux que je vais sortir maintenant, parce que pour le coup, ça ne sera pas forcément vous les vainqueurs, mais c'est pour montrer que voilà, il y a plusieurs noms quand même. Allez, le premier. Donc, j'ai un Valérie Darnaud. Deuxième, ah bah, tiens, j'ai Bessou, bien connu. Troisième, j'ai un Lafin 74, Laurie H. Bon, enfin bref, je vais pas tous vous les faire, hein, mais voilà, c'est pour dire Jody Barrière. Bon, voilà, tout ça, c'est des gens qui ont participé à la tombola avec les bonnes réponses. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. Et je les mélange bien, il n'y a pas de triche ici. Hein. Voilà, je fais ça sous vos yeux, je les mélange bien. Ils sont tous là. Donc, vous êtes 126 à avoir participé, vous êtes tous là-dedans. Comment on va procéder? Ben, je vais tirer 3 noms. Je vais en tirer 3 simplement parce que je vais avoir un vainqueur et 2 suppléants entre guillemets. Donc le vainqueur, il va avoir 3 jours pour se manifester. C'est-à-dire que là, nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Il va avoir jusqu'à lundi, donc samedi 10, dimanche 11, lundi 12. Voilà, il a jusqu'au 12, 23h59 pour se manifester. Si ce monsieur ou cette dame ne se manifeste pas, on passera au second que j'aurai tiré au sort. Je ne sais pas si c'est bien que je vous dise le second, parce que il va avoir de la peine, je pense. Alors je ne sais pas, moi je vais en tirer 3. Et ainsi de suite, chacun aura 3 jours pour se manifester. Bon, je pense que normalement, il ne va pas y avoir de problème pour que le premier se manifeste. Alors j'espère que vous connaissez tous vos pseudos par mail. Parce que c'est pas les pseudos YouTube que je vais donner, hein. C'est les noms de mail. Donc c'est carrément les noms, voire des pseudos, mais c'est de seuls de vos mails, pas ceux de YouTube. Donc faites bien attention à ça, j'espère que vous les connaissez, surtout ceux qui ont participé plusieurs fois avec des mails différents. J'espère que vous connaissez les mails de votre famille. Ouais, je vous ai repéré. Mais bon, c'est pas grave, ça faisait partie du jeu, et j'avais pas précisé que vous n'aviez pas le droit. Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, j'ai remercié tout le monde. Donc on va tirer au sort. On va pas faire durer le supplice plus longtemps. Le vainqueur de la Obao Hyper VT qui est encore emballé. Enfin, qui est déjà emballé, pardon. Qui est déjà emballé. Allez, je vous la montre. Là, il y a le carton. Et regardez. Elle est déjà emballée. La belle carrosserie. Et en dessous, il y a tout le reste. Vous voyez, j'ai démonté les ailerons pour bien les caler. Enfin, tout est dedans. Enfin, presque tout. Parce que Claude, aujourd'hui, on devait se voir. Il devait ramener un petit truc. Mais c'est pas grave, on aura le temps de se revoir avant l'envoi. Ah oui, tiens d'ailleurs, pendant qu'on parle de l'envoi. On est le 9 décembre. Est-ce que je fais l'envoi au vainqueur? Bah après ça, je verrai avec le vainqueur directement par mail. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux que je fasse l'envoi en janvier après que les fêtes soient passées pour pas que le colis se perde? Je verrai avec toi, le vainqueur. Et tu me diras si tu préfères que je te l'envoie maintenant pour que tu le reçoives pour Noël. Ou que tu le reçoives jamais, ça c'est les jouets de la poste.
Enfin, ça ne sera pas la poste en l'occurrence, là, ça sera un mondial relais. Donc, ouais, j'en discuterai avec toi par mail. Si tu préfères l'avoir pour Noël et que je te l'envoie avant, avec les risques qu'il peut encourir de perte et ainsi de suite, ou est-ce que je te l'envoie en janvier. Donc, ça, on s'arrangera entre nous. Donc, vous l'avez vu, elle est emballée. Claude va nous rajouter un petit truc dedans. Donc, il nous avait parlé de la plaque carbone support ventilateur. Et puis, je crois qu'il voulait rajouter quelque chose. Mais ça, on verra plus tard. Et ça sera la surprise. Et la deuxième chose, pour le vainqueur ou la vainqueuse, je ne sais pas si ça se dit ça. Bon, ouais, nous, on va le dire. On s'en fiche. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une petite vidéo de unboxing de tout ça. Et voir une petite vidéo de roulage. Voir les deux. Ça serait super cool de ta part. Voilà. Donc, on va pas en dire plus. Maintenant, je vais procéder au tirage au sort. Donc, je remue. Je regroupe parce que là, ça tombe déjà. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il y a de la triche. Et je vais en tirer 3. En sachant que dans les 3, je vais en tirer un ensuite. Qui sera le vainqueur. Et voilà, je le fais devant vous, sans aucune visibilité, aucune. Mais bon, si je fais ça, normalement je fais tout tomber. Voilà, je le fais devant vous. Alors, petit bruit de tambour à l'arrière et tout. Attention, je regarde pas. Alors ça, j'en ai un. J'en ai plusieurs. Celui qui est. Ça, c'est le vainqueur. Je le mets là. Ça, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est le deuxième, je le mets là. Et le troisième. C'est le troisième, je le mets là. Voilà, tous les autres, je les mets de côté. Les 3 sont là. Les 3 sont retournés, je les vois pas. Donc on a dit le vainqueur, c'est celui-là. Allez, pas plus de suspense, je vous l'annonce. Le vainqueur, c'est Johan Manigo. Donc, Johan Manigo. C'est quoi, de toute façon, là, je vous le montre, mais je suis pas sûr que vous le voyez. Johan Manigo, tu as gagné la Obao Hyper VT de Claude. Eh ben, félicitations à toi. T'es le vainqueur. T'as 3 jours pour te manifester. Désolé pour les autres, je sais, vous êtes déçus. Bon, il y aura d'autres tombolas. Suivez la chaîne Amani, il en fait régulièrement. Voilà. Ici, c'est comme ça. De toute façon, vous le saviez, on le savait tous, il peut n'y avoir qu'un vainqueur. Et là, en l'occurrence, c'est Johan Manigo. Donc, je te mets dans l'enveloppe pour pas perdre ton nom, parce que on ne sait jamais. Le deuxième, attention, le deuxième, il n'est pas vainqueur. Il y a juste que si Johan Manigo se manifeste pas dans 3 jours, c'est-à-dire avant le lundi 12, je crois que je peux pas être plus clair, ce sera Didier Suils. Hop là, et je perds la feuille. Didier Suils, tu seras le second si jamais Johan Manigo ne se manifeste pas. Didier Suils, tu seras le second. Et attention, ça m'étonnerait que Johan ne se manifeste pas. Donc je le connais pas, mais ça m'étonnerait. Et le troisième, si Johan et Didier ne se manifestent pas, ce sera un pseudo. Donc Night Spuik. Night Spuik. Je sais pas qui c'est non plus. En même temps, je sais peut-être qui c'est sur YouTube, mais vu que j'ai pas demandé vos pseudos YouTube. Voilà, le tirage est fait. Donc Johan, 3 jours pour te manifester. J'espère que tu seras content. Donc pour te manifester, c'est simple. Tu m'envoies un mail à la même adresse où tu as envoyé ta réponse. Et tu m'envoies tes coordonnées complètes. Et ensuite, on discutera pour l'envoi. Est-ce que tu préfères que je te l'envoie directement dans les jours qui suivent, hein, sachant que là on est vendredi, donc je ne ferai pas l'envoi avant lundi, mardi, enfin bref, la semaine prochaine. Est-ce que tu préfères que je te l'envoie plus tard? Bon, je crois connaître la réponse, mais bon, il y a quand même un risque de l'envoyer avant. Hein, faut pas se cacher. Donc tu me diras ça, Johan, et si tu ne te manifestes pas avant lundi, par contre là, bah, ça sera Didier. Et voilà, ainsi de suite. Et puis, que dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est... ouais, je suis un peu déçu que... Claude et Mani n'aient pas pu se présenter avec nous ici. Mais bon, en même temps, vu le temps, ça se comprend. Eux, ils habitent pas à côté, moi aussi. Donc, j'avais pas trop de mal à venir. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un petit roulage en slash. Et voilà. Donc, Johan, félicitations.
tel nouvel acquéreur de la Obao Hyper VT de Claude, avec quelques pièces, quelques options et un véhicule à la perfection. Franchement, là, c'est un beau cadeau de Noël que tu as. Voilà, et je vous embête pas plus et je vous dis merci moi-même d'avoir participé, d'avoir adhéré à la chaîne. Pour certains, il y en a certainement qui vont partir maintenant, vu que j'ai bien compris qu'il y en a certains qui sont venus que pour la tombola. Mais il y en a d'autres qui ont à peu près accroché à cette chaîne, et donc j'en suis content, et on rigole bien ensemble, et puis j'espère qu'on pourra continuer comme ça ensemble. Je vous en dis beaucoup plus, hein. Là vous êtes chez les fous, si vous voulez y rester, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, à ciao, bye bye, et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Blah 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 bl